I play Pokémon. Bonjour, pardon, désolé, oui, vidéo, la vidéo, les tutos, c'est vrai, les tutos. Et, ah, bonjour, c'est Haroun, oui, nous revoilà. Qui paraît, on a des vidéos à finir, à faire, tout ça. Donc, bah, on est là, enfin, moi en tout cas, je suis là. C'est vrai, vidéo pendant un petit mois là, mais c'est normal aussi. Faut laisser le temps au temps aux gens, pardon, hein, parce que oui, laisser le temps au temps, c'est normal. Faut laisser les gens voir un petit peu les vidéos, tout ça, tac. Et puis quand je vois que du coup il y a eu quelques vues, quelques likes, bah voilà, on peut faire la suite tout simplement. Du coup, nous voilà pour la suite. Je vous cache pas que j'ai dû aller un petit peu me rafraîchir la mémoire, puisque du coup j'avais un petit peu oublié ce que nous avions fait, où nous en étions. Donc, je suis allé regarder ma propre chaîne YouTube. C'est super chaîne YouTube, hein. Si t'es pas abonné, tu. Pas la gueule. Du coup, nous devions faire un truc du genre où nous remplissions une première liste via un combo box qui nous affichait du coup une deuxième liste avec une troisième, une liste box, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. On va faire en sorte, du coup, là, parce que comme j'avais fait ça un peu à la vite fait, on peut voir que par exemple, les différents éléments s'ajoutent et ne nettoient pas la liste. Donc on va faire tout ça, on va s'occuper de tout ça, de faire en sorte que nos listes soient gérées correctement et que quand on clique un élément dans une liste, on puisse se servir des éléments pour aller chercher des infos et les afficher ici. Et se servir toujours des petites infos qu'il y aura derrière notre chère ligne que nous sélectionnons pour pouvoir valider et récupérer justement ces infos pour aller quelque part. Comme je le disais, nous allons faire certainement plusieurs vidéos pour découper un petit peu tout ça. Après là, c'est à vous de me dire si vous préférez du coup que je fasse des vidéos en une fois, mais ça donne des formats un petit peu longs, sachant que j'aime bien détailler, que j'ai ma façon à moi d'expliquer comme vous le savez, hein. Ça plaît pas, tant pis. Mais du coup, à vous de me dire si vous préférez des vidéos où on découpe les étapes, ou si je fais pour ce genre de choses, là où directement je vous explique comment est-ce qu'on fait tout un menu et qu'on se tape directement une heure et demie de vidéo, et s'il faut, et que bon, ça ne me dérange pas de faire voilà, d'une heure de vidéo, c'est pas le souci. Le souci, c'est plus de savoir est-ce que vous derrière vous suivez. C'est surtout ça le problème, puisque on va pas se le cacher, que moi je suis quand même plus sur Twitch que sur YouTube, d'où le fait que ma production YouTube n'est pas terrible, terrible non plus. Donc voilà, c'est à vous de me dire surtout, hein, c'est moi je fais que en fonction des résultats que j'ai sur YouTube entre guillemets, hein, voilà, c'est vous qui décidez. Donc pour cette fois du coup, je vais partir sur le fait de faire une première partie de cette vidéo, une seconde partie, et en fonction de ce que vous me dites après, on affûtera pour les autres tutoriels. Donc on va d'abord regarder ce qu'il nous faut. Donc on va refaire le menu du coup, on va récupérer ce dont on a besoin. Donc il nous faut du coup ça, le bouton de fermeture, ça va de soi. Donc un combo box, une liste box, de quoi gérer un affichage avec du scroll, et un bouton de validation. Et un background. Donc on est parti, on va tout de suite faire notre menu. Hop. Donc pour le background, on va prendre du RSC texte. Hop, il est là. Alors, on va pas faire un truc super grand, hein, ça nous sert strictement à rien. Faire ça. Donc, en premier, on le passe en safe zone comme d'habitude. On va aller chercher notre config que nous avions fait puisque nous avions créé un config. Est-ce que c'était celui-là que j'avais fait? Non, ça c'est le mien. Donc on va prendre vraiment celui de la vidéo, hein. Voilà, ça c'est celui de la vidéo, me semble. Donc il y a une chose qu'il fallait
dont je devais vous parler, pardon, excusez-moi, je vais réussir à parler correctement. Une chose dont je vais vous parler, que nous avions oublié dans la vidéo précédente, me semble-t-il, c'est la propriété texte qui manquait au RSC bouton. C'est bien de la mettre directement vide dans votre propriété, dans votre classe, dans votre define par défaut. Du coup, comme ça, quand vous appelez après vos différents boutons, si vous n'avez pas renseigné texte, ça évitera qu'il vous mette une erreur. Tout simplement, si vous voulez rendre votre bouton invisible et qu'il n'y ait aucun texte, plutôt que de devoir absolument dans votre config mettre un texte à votre tour vide, autant le mettre directement dans le define de base. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse que je m'étais notée ici. Ne pas oublier de parler de la propriété texte et de l'ajouter à la classe par défaut pour ne pas avoir de soucis. Ça, c'est chose faite. Et vu comme. Même pensé à le faire. Du coup, on va les récupérer ici. Est-ce que nous avions fait un background? Je ne me rappelle plus du tout. Oui, on avait fait un background. Donc, on va récupérer notre YouTube background maintenant qu'il existe. On va pouvoir faire du coup. On va dire YouTube. Hein. Bon, je m'en voulais pas. Par facilité, moi je vais toujours taper mon DA3F. Hop. Enfin, par facilité, par habitude. Hein, c'est parce qu'il n'y a pas plus de facilité à taper 4 caractères que 4 autres caractères, on va pas se mentir. C'est juste par habitude pure et simple. Hop, donc on met une opacité qui n'est pas violente au départ, tout simplement pour pouvoir avoir une pleine connaissance des différents contrôles que l'on va poser. Vous allez comprendre pourquoi, puisque du coup, certains contrôles ne sont pas du tout visibles. S'il y a une opacité qui est trop importante derrière. Donc c'est à la fin, quand on exporte, que du coup on remet une opacité voulue. On va maintenant mettre tout ce qui est d'abord affichage, c'est-à-dire lecture et tout ça, tout ce qu'on ne doit pas cliquer dans le côté background de notre menu. Donc je vais m'occuper de gérer le texte d'abord, celui qu'on a en bas de nos listes, je vais le mettre tout de suite. Donc on va prendre un RSC Control Group qui lui sert à pouvoir encapsuler le structuré de texte. C'est-à-dire que dans cette zone-là, le structuré de texte ne va pas pouvoir dépasser et passera justement en scroll si jamais il est plus grand que cette zone-là. Donc là, on va mettre ceci, on va le nommer. Je ne sais pas si du coup on en a créé un la dernière fois. Structure de texte, combo, listbox, très bien. On a fait quelques-uns quand même. Ah, on l'a fait. C'est peut-être moi qui l'ai fait en interne, je sais plus si je l'avais fait sur la vidéo parce que j'ai pas tout regardé, je vous cache pas. Alors, hop, la 3F, CRL et GRP. C'est un contrôle groupe, donc j'utilise ce diminutif tout simplement. Ça ne sert à rien de lui mettre un texte, de changer son opacité ou quoi que ce soit. Ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est du coup le nommer correctement si vous en avez plusieurs. Ça vous aidera à les retrouver après pour pouvoir y attacher justement nos structured text, chose que l'on va faire tout de suite. Donc on prend notre structured. Voilà, on va aller chercher classe. RSC structure texte. Voilà. Là, on va l'appeler DA3FTXT info. Donc là, ce qu'on fait quand on fait deux points et qu'on met le nom de notre classe, on fait ce qu'on appelle un héritage. Vous avez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas trop la programmation, peut-être déjà entendu ce terme d'héritage. Et donc on va vraiment chercher du coup toutes les propriétés de notre classe RSC structure texte et seules les propriétés que nous allons modifier seront modifiées du coup et toutes les autres seront prises de RSC structure texte par défaut. Ce qui facilite quand même grandement le travail. Ce
Donc ici, on peut écrire du coup directement notre ligne en HTML. Donc on peut faire color est égal à, on va faire un gris, ab, size est égal à, j'aime bien diminuer la taille dans ces box qui sont un petit peu plus petites de façon à pouvoir quand même avoir un affichage correct et que on n'ait pas des lignes trop courtes entre guillemets. Et là on va faire un align center pour plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ouais. C'est fou là, je me sens plein de joie là d'avoir fait un align center. Je sais pas pour vous mais donc ceci on va devoir maintenant mettre un petit texte du genre coucou YouTube, hein. Ça ce sera le texte qu'il y aura par défaut que on ne verra peut-être pas ça, selon ce que nous chargeons. Voilà. Tac. Ah non, alors la chose importante c'est que notre structure de texte, du coup, nous allons du coup l'attacher position type à notre contrôle groupe. Et là on va voir que les deux vont réagir ensemble. Hop. Et quand je vais déplacer du coup mon structured, on peut voir que le contrôle groupe répond. Enfin répond, réagit. Du coup, on va le placer correctement à l'intérieur. Hein. On l'étire, donc je le rappelle que avec les flèches, les alt, les flèches et tout ça, on peut faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, je fais alt, alt et les flèches pour agrandir, rétrécir mon contrôle. Et quand je relâche alt, je peux le déplacer du coup avec précision avec les flèches. Hop. Donc là, on l'a mis du coup correctement à l'intérieur. Hein. On peut voir que du coup, il surbrille un petit peu sur du même écart en haut en bas enfin sur chaque arête. Donc ça c'est le côté affichage, donc c'est pour ça que je voulais le mettre tout de suite, ce qui fait que quand on va exporter on aura du coup notre background et nos deux classes là qui seront ensemble, ce qui est plus pratique pour la sélection après pour organiser notre menu. On va maintenant mettre notre combo, voilà. Donc là, on peut voir que notre RSC Control Group réagit. Donc là, quand dans ce genre de cas, il faut bien penser à remettre en safe zone. Ça, c'est faut faire très attention à ça. C'est vraiment le point auquel faut vous fassiez très attention, puisque vous allez devoir repasser derrière, sinon sur tout votre menu et ça va pas. Si vous avez beaucoup de contrôle, que c'est un gros menu que vous êtes en train de faire, vous allez être content du voyage. Donc pensez-y directement. De toute façon, on le voit que ça réagit, d'où l'importance d'avoir quand même une opacité qui n'est pas trop importante pour le voir, justement. Hop, voilà, très bien. On va faire un truc, voilà, hein, comme l'autre menu, quelque chose de bellissimo. Et celui-ci. Voilà, et deux boutons, du coup, un pour la fermeture, RSC bouton de menu, ah bon, alors voilà, tac. Voilà. Oh, très bien comme ça. Ce que nous pouvons faire ici, c'est que du coup, quand on appuie sur CTRL et clic droit, nous pouvons accéder directement à l'intérieur de la classe de notre bouton pour pouvoir y ajouter une propriété, justement. Donc, on va faire on button click est égal à. Tac, on pense bien mettre notre point virgule. Et on va faire close dialogue 0. Voilà, comme ça notre bouton de la fermeture est tout de suite actif. Il fermera notre contrôle directement. Hop, on va faire fermer. Voilà. Ici, on va aller chercher nos attributs pour les boutons. Puis tout en haut. Voilà.
Okay. Feignantise, on va copier-coller. Voilà. Et on fait BDN valide. Voilà. Ici, on va marquer valider. Base l'idée. Tac. Et on ne va pas lui définir de propriété pour le moment, du coup, puisque on va le faire après sur notre script et on ira lui inclure au moment où nous aurons fait notre script. Donc, nous avons notre menu. Nous pouvons lui remettre une opacité correcte. Mettre un 0,8. On peut faire comme j'avais fait de mettre un petit 0,15 et 0,2 histoire d'avoir un petit bleu, verdâtre. Voilà. Et de là, on va exporter du coup notre menu. Donc moi, je l'exporte en classe. Le nom n'a aucune importance. L'indentation, on met à 2. Enfin, moi, je mets à 2. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est juste pour une question d'indentation pratique. Nous, hop, on va créer dialogue, très bien. La liste tuto YouTube, vidéo, hop, voilà. Je retourne en haut de mon fichier, je vais inclure mes classes, hop. Donc la classe tout en haut sera celle qui servira du coup à appeler votre dialogue. On peut mettre un nom un petit peu plus court. On va faire liste tuto. Voilà. On pense à bien changer dans le name. On va lui mettre son IDC. Moi, je le rappelle, j'utilise les dates. Ça rend les choses un peu pratiques pour ne pas se croiser les IDC. 31-05-19. Et comme je le disais, on peut voir que du coup, la classe background et la classe control group et RSC text sont directement en haut, ce qui rend la sélection beaucoup plus simple. Elles sont en un bloc. Et on a juste à les mettre du coup dans notre classe background. Et voilà. D'où le fait que je sélectionne une indentation à 2. C'est que quand du coup on vient les mettre dans nos classes, elles sont directement indentées correctement. Là maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher nos dernières listes. Nos derniers contrôles, pardon. Hop. Donc je n'ai pas renseigné les combos et liste box. On va aller chercher du coup. Donc. Round, red, et là c'est combo. Voilà. Donc on peut voir que Arma, par défaut, justement, hérite, lui, de ses propres classes. Hein. Quand on exporte notre dialogue, on peut voir que quand on n'a pas mis quoi que ce soit dans les noms de classe, il met automatiquement du coup. Le nom du contrôle avec son IDC underscore et son IDC. Et du coup, il fait l'héritage de sa classe qu'il a dans le jeu directement. Donc nous, comme nous avons créé la nôtre, on fait l'héritage de nos propres classes. Donc on va aller chercher. Hop, il me semble que j'avais fait tout simplement UT devant. Ouais, ça vient. Non, je préfère quand même aller vérifier, même si ça semblait évident. Tac. Donc là, on peut voir que tout le monde a été renommé. Très bien. On peut supprimer ce qui ne sert à rien. Ici, après, libre à vous de renommer les classes ou pas. C'est une question de pouvoir s'y retrouver facilement si vous avez beaucoup de contrôle. Donc, si vous n'avez pas donné de nom à vos classes avant l'export, c'est vrai que c'est conseillé après de pouvoir les renommer de façon à pouvoir s'y retrouver facilement. Là, en l'occurrence, comme c'est un menu totalement random qui est fait juste pour le tuto, j'ai pas vraiment de nom particulier à leur donner. Et voilà, c'est un combo et une liste box. Mais vous prenez l'habitude, effectivement, de pouvoir renommer vos classes,
On va marquer, allez, quand même, hein, on est sur un tuto, je vous dis de faire quelque chose, on va le faire. On va dire liste, liste lieu. Voilà, donc pas d'espace, il n'y a pas de caractères spéciaux, hein, toujours dans les noms de classe. Et là, on va faire liste secteur, puisqu'on avait fait des secteurs de ce que j'avais vu. Voilà. Excusez-moi. Donc, on peut voir que le onButtonClick que l'on a fait a été directement créé, a mis en haut de la classe. Moi, je le rajoute en bas, je préfère. Voilà. On pense du coup à aller chercher notre fichier et à l'inclure dans notre include, qui je le rappelle est lui-même inclus dans le description. Je vais aller vous remontrer ça pour ceux qui n'ont pas. On n'oublie pas l'extension, hein, parce que là j'ai tout supprimé. On n'oublie pas l'extension, voilà. Et donc on peut aller voir que notre include master que j'ai là est lui inclus ici avec son chemin dialogue include master. Voilà. Ce qui nous évite quand on fait ça, ça évite d'avoir cette liste là d'inclus directement ici en fait. C'est juste un fichier qui sert de raccourci. Et ça, le but de ça, c'est d'éviter de surcharger le description. On fait un fichier qui est ciblé où sont les dialogues. Et comme ça, on a juste à inclure les dialogues dans la source où on les met, enfin dans le dossier source où on les met. Et ce fichier, lui, fait la liaison. Donc maintenant, on va aller récupérer le nom de notre dialogue, relancer notre mission et vérifier que ce dialogue se lance correctement. Hop, donc là, je fais don't save puisque je sais que je ne vais pas le rouvrir. Donc là, bien penser à fermer totalement puisque relancer ne prendra pas en compte tout ce qui est les classes. Les mises à jour des classes ne seront pas prises en compte. Donc là, on peut directement relancer. On peut recharger la mission éventuellement s'il y a du cache qui joue là-dedans. Mais logiquement, il n'y a pas de problème. Create dialogue. Hop, bon, bah voilà, il est là, donc nos listes sont complètement vides, c'est normal. Notre bouton valider, notre bouton fermé qui fonctionne, voilà. Donc, la suite, on va s'attaquer du coup au config, le config. On va aller voir du coup le config que je vous ai fait pour la vidéo non tuto. Il ressemble à ça. On va le refaire, hein, tout simplement, hein. Je vais vous montrer comment ça passe. Donc là, celui-là, on le ferme. On va, du coup, je vais vous montrer quand même correctement. On peut voir, du coup, le name sector 1, armurerie, piscine, hop, on va lancer et pour vous montrer la récupération des différentes informations. Du coup, quand on fait ça, hop, ici, dans le combo, on peut voir qu'on a secteur 1, secteur 2, secteur 3, que nous récupérons ici. Après, quand on sélectionne, on peut voir du coup, on va sélectionner le secteur 1, armurerie, piscine. Hop, voir qu'on récupère armurerie, piscine. Et du coup, si je clique sur armurerie, je pars sur le marqueur qui est sur armurerie. Donc, on va regarder tout ça. Donc, un config, tout comme des dialogues, ont besoin d'être inclus dans un description. Donc ici, c'est ce qui a été fait du coup pour notre dialogue, include master pour notre dialogue. Et c'est ce qui a été fait pour le CFG tuto de la vidéo. Donc ça, je vais le retirer du coup. Voilà. Ici, nous allons créer notre config du coup. On va le mettre à la racine, hein, ce sera très bien. CFG YT point HPP. Donc là, je peux tout de suite faire un copier du coup de son nom, le fichier. Hop, pour du coup aller justement inclure ici.
Hop, voilà. On remet pas de point virgule, hein. J'ai failli appuyer sur le point virgule, mais on met pas de point virgule sur les includes. Donc là, on a inclus du coup notre config que l'on a créé ici. Et comment se passe un config? Du coup, on va faire une première classe qui va lui servir. Enfin, selon comment on a besoin de les faire, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, comment on va créer des différents secteurs? On va créer du coup une classe par secteur. Et la classe de secteur renfermera les marqueurs qui lui sont propres avec les différentes infos. Donc, on va créer du coup notre classe de base déjà. Qui va être, je sais pas, CFG secteur, CFG secteur, voilà. Hop. Ici, on va créer notre première classe secteur 1, secteur underscore 1. Et donc, dans Arma, quand on veut récupérer le nom d'un objet, on appelle son display name. Donc, on va respecter cette logique sur le config de donner le nom via un display name, sachant que je tiens à préciser que si on donnait nom est égal à secteur 1, cela fonctionnerait sans problème tant que l'on appelle nom. Donc quand on va appeler notre config, on rappelle nom, ça fonctionne impeccable. Par question d'habitude et surtout de bonne lisibilité et que d'autres gens puissent passer derrière, comme on a tous l'habitude d'appeler le display name, forcément on met display name. C'est une logique de la programmation pour le SQF en tout cas. Pour Arma. Donc. On va nommer des conditions. On a vu qu'on avait fait quelque chose de condition, même si je ne m'en suis pas servi sur la vidéo. On va gérer les conditions, comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on met vide. Et on va mettre du coup nos infos qui vont être relatives au secteur. Donc là, on met du coup un tableau vide derrière info pour bien indiquer que ça va être un tableau que l'on va traiter. Donc là, on fait égal. Et nos tableaux, par contre, seront plus du coup des... des crochets, mais justement des petites accolades. Là, je ne sais, je décote, je sais plus comment on les appelle. Bref, donc on ne sera pas sur des simples crochets comme ça, hein, mais bel et bien du coup des petites accolades de ce type. Donc à l'intérieur, on va justement recréer un tableau avec nos chères accolades pour renseigner nos différentes informations. Donc on va aller chercher un nom de marqueur sur la carte. Hop, on récupère marqueur 2, très bien. Donc, admettons, on va faire ici un premier secteur. Marqueur 1 et marqueur 2 vont être notre premier secteur. Donc ici, marqueur 1. On va reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce sera chez Mémé. Voilà. Et on va mettre une petite description. Elle est gentille. Elle est. Ouais, sur... elle est gentille. Elle me donne des bonbons. Elle me donne des bonbons. Voilà. Et super gentille, mémé. Hop. Ici, on fait une virgule et on va pouvoir. Si on souhaite, enfin c'est le plus pratique, tout simplement dupliquer notre ligne, donc avec Sublime Text, nous faisons un CTRL SHIFT D et nous avons dupliqué notre ligne. Nous allons mettre marqueur 2 et comme Pépé et Mémé ne s'entendent mais pas du tout, ils ne vivent pas ensemble, donc je mets juste à côté quand même parce qu'ils s'aiment. Voilà, on ne casse pas le mythe. Donc du coup, chez Pépé, voilà, hop. Et Pépé est bizarre avec moi le dimanche. Voilà, c'est voilà. Pourtant, il est
Ah, purée. Voilà, tac. Donc ici, on va y mettre un petit retour à la ligne avec une balise BR. On va parse texte notre on va passer ça en HTML, donc on peut utiliser du coup du code HTML à l'intérieur, comme on va le récupérer nous en HTML derrière. On peut se permettre d'utiliser du HTML. Si vous savez que vous allez passer ça dans quelque chose qui ne traitera pas du HTML, faire un retour à la ligne, vous ne le ferez pas avec un BR mais avec un anti-slash n. On va éviter de. Voilà, tac. Donc là, on a créé notre premier secteur. Voilà. On va faire donc contrôle shift D, hop, je duplique mon secteur et je fais secteur 2. Voilà. Hop. Et là, secteur 2. Notre secteur 2 va concerner marqueur 4, marqueur 3, très bien. Bah non. Voilà. Secteur 1. Hop. Et d'ailleurs, juste pour le plaisir, d'ailleurs, on l'appelait secteur A. Hop. Et ici, secteur B. Certains comprendront, les plus vieux comprendront, les plus jeunes ne comprendront absolument pas la référence à secteur 1. Mais, hop, hop, voilà, comme ça on pourra bien différencier quand on va se balader sur notre carte, comme c'est visible sur du vert. Donc, on a dit 3 et 4 pour nos marqueurs. 3, 4. Ici, on va mettre les tontons. Les tontons. Il est super, tonton. Toujours, il rigole. Voilà. Et acteur 4 chez on va mettre chez Tata, on va pas faire que des couples séparés quand même dans notre histoire, ce serait dommage. On va mettre chez tes cousines, voilà. Voilà. Elle écoute de la musique de merde, virgule, mais bon, c'est ma cousine. Hop, voilà. Vous avez compris, je sais pas si on se fait un troisième. Bon, allez, un troisième, hein, juste tac, voilà. Hop. 5 et 6 chez Toto, chez Coco. Voilà. I la pour des blagues de merde avec un S, ça fera plus riche. Hop, et ici chez Coco, je ne peux pas l'avoir à côté de moi, il pue tellement. Voilà.
Et secteur 3, du coup, on n'oublie pas. Voilà. Voilà pour notre config. Ce que nous allons pouvoir faire. Est-ce que je vous fais utiliser des. Non, on va pas utiliser de macro tout de suite. On va pas passer au macro. Ça fera peut-être l'épisode d'une vidéo. Je sais pas, on verra. Maintenant, on va devoir du coup gérer le script qui va nous appeler notre menu. Enfin, qui va être appelé avec notre menu du coup. Pour ça, on va aller sur notre dialogue justement. Dialogue. Ici. Et nous allons lui créer une classe onload. On. Load. Égal. Voilà. Nous allons. Non, oui. Hop. Secteur. Donc c'est juste par clarté, encore une fois, que c'est bien de créer différents dossiers, d'y mettre vos. Là, c'est histoire de ne pas l'avoir en racine. Hein. J'aurais pu l'appeler script et je vous mets un peu tout ce que l'on pourrait faire sur les autres vidéos, mais au moins ce sera bien, bien dissocié. Du coup, on va l'appeler fn onload secteur. Et en SQF, bien entendu. Voilà. Hop. Non. Ah oui, c'est pas. Ici, hop, on fait notre petite. On va déclarer notre script, les fonctions. Donc, ce qui est le côté fonction, tout ça, ça fera l'œuvre de vidéo, tuto, plus axé vraiment sur le script. Hein. Donc, tuto fonction, hop. On va faire, je vais l'inclure ici directement. Donc là, je n'explique pas parce que, comme je dis, je prendrai le temps de faire une vidéo vraiment sur tout ce qui va être fonction. Ce sera mieux que là vous expliquer tout d'un coup. Donc ça, éventuellement, juste vous le recopiez là tel que je vous le montre. Je vais quand même vous l'expliquer un petit peu, mais je pense que ce sera mieux quand on. Enfin, il y aura une explication bien meilleure quand. Enfin, bien meilleure, plus détaillée, quand on fera vraiment les côtés tuto SQF. Donc, tag, hop, et il nous faut encore une classe, du coup. Donc là, toujours dans un CLG fonction, vous allez y créer votre classe mère, toujours pareil, hein, une classe dans laquelle vous allez définir le tag qui appellera vos fichiers. Donc là, DA3F en l'occurrence, il me donnera DA3F FNC. Et ensuite, on crée encore une autre classe qui va, elle, encapsuler nos différents fichiers que l'on va vouloir appeler. Donc là, ça va être secteur. FNC sera très bien. Ici, on va mettre file qui va être le chemin du coup des fichiers. Donc, on a appelé notre dossier secteur avec un S, me semble-t-il, effectivement. Voilà. Hop. Et file secteur et on met classe. Donc, ça, on va faire. Et on met le nom de notre fichier sans le fn. Là, on retrouve du coup le nom de notre fichier, sauf que c'est fn underscore onload secteur. Là, je retire fn underscore et je garde que le onload secteur. Derrière, on y met des crochets vides
comme ceci. Et voilà, on a inclus, créé notre classe de fonction et inclus notre fichier. Ça, je vais le commenter. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et ce onload secteur, du coup, on l'inclut dans notre et ici en faisant 10. Voilà le call. DA3F underscore FNC underscore onload secteur. Voilà. Maintenant, dans onload secteur, pour s'assurer que tout va bien, donc déjà je récupère mon. Alors en premier lieu, comme c'est un fichier qui va stocker des variables étant extrait d'un GUI, d'un menu, il faut utiliser Table Serialisation. Si on ne stockait pas nos contrôles dans des variables et qu'on faisait tous nos contrôles en find display, blabla et display control blabla et notre action TRL tac commit 2 enfin TRL commit 0 hein, sera plus logique là nous n'aurions pas besoin du coup de faire de disable sérialisation. Or c'est quand même beaucoup plus pratique d'aller stocker nos contrôles dans des variables et donc il faut utiliser disable sérialisation. Je vais récupérer avec un params mon display. Donc pourquoi utiliser un params alors que je ne récupère qu'un seul paramètre? Simplement parce que ça m'auto-private ma variable. C'est beaucoup plus court comme ça. C'est une habitude que j'ai, donc voilà, c'est chacun après comme il le souhaite. Donc là on récupère notre display et pour vérifier le bon fonctionnement, on va faire int str display. Hop. On va même faire, on est gentil, on va venir vous saluer. On va tac. Coucou YouTube. Voilà. Et donc là, il me semble qu'on est correct. On a inclus notre fichier. On a déclaré notre fichier dans le. Ouais, hop. Donc on va vérifier que ce fichier exécute. Pas fait de bourde quelque part. Ça pourrait être bien. Hop, et voilà. On peut voir que quand je lance, directement, c'est lu. Donc c'est bien un onload. Hein. C'est dès que le menu s'ouvre. Ça load ce fichier là. Et donc là on peut voir que instantanément quand j'ai ouvert le menu, j'ai bien eu mon message qui me dit bien coucou YouTube avec mon display. Ici tout va bien. Maintenant on va s'assurer que l'on peut récupérer correctement notre config que nous avons créé. Donc pour ça on va récupérer bêtement d'abord ceci. Et ceci. Donc ça c'est juste pour le vérifier le bon fonctionnement là. Hein. Après on va faire autrement. Enfin on va le scripter du coup. Alors on va faire un int str. On va faire getText. Mission config file. Donc mission config file veut dire que on va chercher du coup un config que l'on a déclaré dans notre mission, c'est-à-dire via notre description. Donc tout ce qui est inclus dans un description est considéré comme mission config file. Et tout ce qui est dans Arma ou qui est inclus en mode, tout ce que vous mettrez en mode du coup et qui sera exécuté avec le jeu passera directement en config file. Alors ici on met du coup CFG secteur puisqu'on va chercher la classe. C'est tout un chemin en fait. On suit le chemin que l'on jusqu'à l'endroit où que l'on souhaite atteindre et qu'on souhaite lire.
Donc là, du coup, on passe secteur. On passe du coup maintenant à la classe secteur 1. Et dans la classe secteur 1, je veux display name. Voilà. On peut voir après, comme je vous dirais, que on utilisera des macros pour diminuer ces appels-là. C'est ce que c'est l'utilité de macro que l'on met de façon simple l'appel de nos configs sans avoir à utiliser toute cette ligne-là. On fera quelque chose qui simplifie amplement à appeler, admettons, que DisplayName avec le secteur que l'on souhaite et on aura directement le nom retourné. Mais ça, comme je vous dis, on verra ça plus tard. Donc là, on va vérifier en faisant cette ligne-là que notre config lui répond à son tour correctement. Donc là, on peut juste relancer puisqu'on a modifié que du SQF que notre config est censé être inclus. On peut voir secteur 1 avec sans underscore, donc c'est bien le display que l'on a appelé. Voilà, donc tout ce qui est config et reconnaissance du config, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer au fait de faire le script et de récupérer tout ça. On a pu voir du coup que notre script était exécuté, était reconnu. On a pu voir que notre config aussi était reconnu. On va pouvoir maintenant attaquer le fait de pouvoir compléter notre menu avec notre config. On va du coup, je pense, être sur une seule vidéo que j'ai découpée comme vous le voyez. Je fais des petites coupures comme ça. Si j'y pense, hein, si je fais un bon youtubeur, je vous mettrai la timeline bien faite. Bah, sinon, bah tant pis. Voilà. Et du coup, ouais, je pense que là on va faire une seule grosse vidéo puisque parti comme on est, autant enchaîner. Donc on va agrandir un petit peu cette fenêtre maintenant qu'on va attaquer un peu plus du fichier proprement dit, que je peux quand même vous y voyez un petit peu plus clair. Je vais vous grossir un petit peu ça aussi, histoire que vous n'ayez pas le nez collé sur votre ordi forcément. Ça, c'est un truc que je me rappelle. Regardez des tutos. Et même encore aujourd'hui, hein, sur d'autres langages, quand je regarde des tutos, c'est des trucs qui sont quand même grandement appréciés quand c'est quand même mis en loop. Plutôt que sur l'écriture normale sur laquelle on développe. Et en tant que vidéo, c'est pas terrible. Donc je vais faire l'effort du coup de scripter sur quelque chose d'assez large. Du coup. On va devoir, dans un premier temps, remplir notre combo ici. Donc, pour ça, on va déjà récupérer les infos de notre config. Donc, pour ça, on va créer une variable qui va être CFG. Voilà, CFG, c'est mieux. Hein, si tu écris dans l'ordre dans lequel tu le dis, ça marche mieux, ça perturbe moins après. Donc, pour récupérer l'ensemble d'un config, hop, pas celui-là, mais je vais faire c'est de la sorte, tac. Voilà. Donc pour récupérer l'ensemble d'un config, du coup, on va simplement utiliser les commandes de Arma, comme vous en doutez. Et là, on n'a pas de classe à épargner entre guillemets. Donc pour cette fois, je vais vous montrer juste comment récupérer l'ensemble sans traiter de conditions. On fait des choses simples. Et après, on pourra vidéo continue, que encore une fois. Vous êtes au rendez-vous, je vous montrerai comment pouvoir traiter des conditions. Après, à vous de faire vos tests aussi de votre côté, puisque ce que je vais vous montrer là, on utilise Toulou.
qui veut dire vrai. Donc du coup, on récupère tout. Mais ici, vous pourrez traiter des conditions pour récupérer uniquement certaines classes. Maintenant, on va faire true. Config class. On va se décaler de façon à voir. Et l'écran, merci. Config class. Ici, on ouvre des parenthèses. Et on va indiquer du coup si on vient chercher ça dans Arma ou dans notre mission. Donc là, en l'occurrence, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en mission config file. Et on va indiquer notre jolie classe parent qui est là, CFG secteur. Voilà. Donc, nous allons traiter avec un for each. Voilà. Et ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir récupérer nos autres contrôles que nous avons dans notre. Enfin, récupérer les autres. Récupérer les contrôles tout court, pardon. Que nous avons dans notre menu. Donc, ici, nous allons faire Evade. Et nous allons appeler notre combo, du coup. Box est égal à display et contrôle et l'idée c de notre combo box dans 2100. Donc quand on fait ça, ce que je vous rappelle, c'est que ça nous évite du coup de devoir faire find display. Donc find display devra appeler être suivi pardon. Hop. De son IDD. Voilà. Là, quand on passe par un param, on évite cette étape-là, puisque du coup, on récupère directement le parent. Hein, donc, il sait déjà quel display, de quel display il s'agit. Donc, dans display, en gros, on a ça. Hop. Et après, display contrôle. Donc là, on va chercher du coup le contrôle en IDC. Et c'est du coup l'IDC que l'on indique après. Là, 2100. Donc ça, du coup, c'est la même équivalence. Et on verra après pour des macros pour encore pouvoir justement diminuer ça. Ça, on le supprime. Là. On va faire la même chose, donc on duplique. Encore une fois, CTRL-SHIFT-D. Et on va appeler listbox. Alors, on va mettre des minuscules hein, pour nos variables. Et on appelle listbox. Play. Et l'IDC d'une listbox par défaut, c'est 1500. Moi, je laisse toujours les IDC par défaut. Puisque après, bah, par habitude, justement, vous savez à peu près quel contrôle a quel IDC. Hein. C'est pas, il n'y a rien de miraculeux. Voilà, il y a des fois des gens qui sont... En live, me disent ah mais tu connais tous les noms. C'est pas que je connais tous les IDC, c'est que j'utilise souvent les mêmes et que je laisse ceux par défaut. Donc en laissant ceux par défaut, ça ne change rien si vous avez 15 dialogues et que à l'intérieur vos 15 dialogues ont tous des boutons qui commencent à 2400. Ça ne change strictement rien. C'est votre IDD que vous ne devez pas avoir d'identique. À partir du moment où cet identifiant n'est pas le même, ce qui contient après le menu peut être tout à fait identique. Vous pouvez avoir exactement les mêmes classes, les mêmes noms, tout pareil, ça ne posera aucun problème. Et ça, c'est. Voilà, il y a des gens qui pensaient qu'il fallait absolument pas réutiliser les mêmes IDC par souci et tout. Non, non, vous pouvez utiliser les mêmes IDC, c'est l'IDD, il faut faire très attention. Vous avez deux IDD identiques, forcément, Arma va pas être content. Du coup, maintenant on a notre list box, on a notre combo box, il nous faut récupérer notre structured que l'on a mis. Donc texte info pour ça est égal à display contrôle et le structured c'est du 1100 par défaut. Voilà, donc là on a nos différents contrôles, sachant que
ici, on va peut-être pas avoir besoin de tout récupérer. C'est juste pour l'exemple que je vous montre, puisque après, je vous rappelle qu'on a un bouton de validation dans lequel, justement, là, il sera utile de pouvoir réappeler, par contre, toutes nos listes pour vérifier l'ensemble de nos sélections et faire la validation en fonction des choix qui ont été faits. Donc, ici, on va venir à Combo Box d'afficher nos différents displays. Hop. Allez, on va y arriver. Voilà, hop. Donc on a nos différents displays et on va les récupérer du coup dans notre Combo Box pour pouvoir les stocker. Donc on va faire Combo Box. Hop. Alors pour ajouter quelque chose dans une liste, que ce soit une liste box ou un combo box, on utilise lbad. Voilà. Et là, je vais faire un format. Et à l'intérieur, je rappelle que ce que nous sommes en train de traiter avec foreach, qui passe nos classes, foreach passe un tableau, les éléments d'un tableau les uns après les autres. Donc là, ça fait 1, 2. Voilà, hop, et donc le foreach va passer justement les éléments dans ce sens-là. Il va vraiment passer le premier, après le deuxième, après le troisième. Voilà. Donc là, ce que l'on envoie dans foreach, je le rappelle, c'est la récupération de notre config. Hop, je vais y arriver. Voilà. Hop. Donc à l'intérieur, on a nos différentes classes. Du coup, on a nos trois classes que nous avons stockées dans la variable CFG. Donc pour récupérer du coup maintenant le nom de nos différents secteurs et les stocker dans le combo. Ici, on va faire un getText du coup qui sert à interroger une propriété texte d'un config enfin de oui d'un config. Et ici, comme on est en train de passer du coup nos classes et que getText, on doit lui indiquer quelle classe nous souhaitons. On va récupérer l'information traitée par le foreach actuellement sur son itération. Donc pour ça, on va faire underscore x, mais sachant que underscore x nous sort directement le nom de notre classe. Et là, on fait hop et display name. Voilà. Maintenant, pour pouvoir avoir des informations qui se cachent derrière nos lignes, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on va faire une sélection dans notre quand on va cliquer une ligne, il y a des informations qui se cachent derrière. Comment est-ce qu'il va savoir que c'est telle information, tel marqueur quand on clique telle ligne ou que c'est tel texte qui doit nous afficher quand on va avoir sélectionné telle chose dans le combo, c'est justement sur cette ligne que nous allons faire. Et elle va servir à aller stocker justement quelle classe nous utilisons et quelle classe est-ce que nous faisons, quelle classe nous affichons, quel est le secteur que nous allons afficher. Et donc pour ça, on va récupérer directement le nom de notre classe justement en information. Et donc ça va être lb7data. Ici, on va lui mettre un index, donc l'endroit dans lequel il se trouve dans la liste. Donc pour qu'il trouve automatiquement son index, on lui demande la taille que fait actuellement la liste de combo box du coup. Et comme il les compte en nous sortant 1, 2, 3, 4 qui nous les compte dans ce sens-là et qu'un tableau se lit à partir de 0, une liste, un tableau se lit à partir de 0, nous allons donc lui dire que tu vas compter du coup que ça va être la taille de notre box moins 1. Comme ça, ici il sera au premier élément de notre liste et donc à moins 1, ce sera bel et bien l'élément 0 de notre tableau. Et derrière, on vient du coup renseigner notre classe en mettant un config name
underscore x. Comme ça, il récupère de façon correcte le nom de notre classe. Et après, on va pouvoir interroger directement la classe après quand on va sélectionner du coup notre secteur. Donc là, on va vérifier déjà en faisant ça ce que ça nous donne. Donc on relance. Hop, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais placer maintenant ma ligne d'appel ici dans mon init de façon à ne plus avoir. Hop. Alors, je vais récupérer juste ceci. Voilà. Voilà. Tac. On relance comme ça. On n'aura plus à passer par le échappe. Même si ce n'est pas non plus de plus compliqué, mais bon. Voilà, donc là on vérifie et on a bien du coup notre résultat dans notre combo box. Donc là quand on le clique, forcément il ne se passe strictement rien puisque on n'a rien demandé au combo en particulier. On a fait que lui charger des éléments, des items dans son instance. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce qu'il a loadé, on va se servir une propriété qu'on va aller ajouter dans le menu, puisque ici sur le onload, en gros, on a fini, puisque après, ce qui nous reste à faire, ça va être la validation, enfin de la récupérer quel secteur pour afficher de nouveau une liste ici, et que quand on va cliquer les éléments dans cette liste, ici on a notre texte qui change. Donc pour le onload, du coup, on a fini. Si on le souhaite, on peut éventuellement changer le texte. Comme on charge notre dialogue, c'est cet endroit où on peut définir différentes propriétés pour notre menu directement. Et donc dire texte, CTRL set sur texte parse texte. Hop. Donc là, je vais laisser profil name, ce sera très bien. Et alors admettons que je souhaite justement modifier aussi un bouton, c'est tout à fait possible. Donc là on va le faire sur le bouton de sortie qui est le 2400 puisque c'est le premier que j'ai posé. Et donc le valider forcément le 2401. Donc là btn close. Hop. Et donc, je pourrais tout à fait, du coup, lui inclure une image, par exemple. Donc là, je vais aller chercher une image que j'ai et dans Arma. Hein. Tac, et j'ai quelque chose par là. Voilà. Tac. Donc on peut venir mettre une variable ici hein, pour dire img exit. Tac. On n'oublie pas notre petit point virgule. Et on va faire btn close, ctrl, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit, j'ai des enfants qui sont en train de courir, pas les miens, hein, mais des enfants dans la rue qui sont en train de courir. Ctrl parse texte, du coup, voilà. Et donc là, on va décaler un petit peu notre fenêtre pour qu'on y voit un petit peu mieux. Allez. Voilà. Hop. Ça, on peut éventuellement laisser un texte. On va mettre img exit. On va faire
Sortir, histoire de changer le j'ai mis fermé, donc on va mettre sortir. Et pour récupérer l'image, on va faire du coup ouvrir la balise, img. On peut, alors pour un bouton, c'est mieux de retirer la couleur, puisque du coup on n'a plus sinon ce que l'on a défini, ça rend notre bouton totalement statique au niveau de la couleur. Il n'y a plus cette coloration qui se fait quand on passe le curseur dessus, quand on appuie, tout ça. Il garde une couleur fixe en ajoutant la couleur via le contrôle sur le texte. Donc, img, on va lui dire que l'image sera à gauche. Donc pour ça, on va faire align est égal à left. Et on va lui mettre une taille à 1,5. On verra ce que ça donne. Comme le bouton est assez large. 1,5. Voilà. Et là, on va mettre du coup image est égal. Et comme on a renseigné img exit ici, on va mettre image est égal à %1, puisque on utilise un format. Et format, du coup, nous récupère les éléments qu'il a derrière sa chaîne de caractères dans l'ordre dans lequel ils sont placés. Donc là, étant donné que c'est le premier élément après la chaîne de caractères, après la virgule, je récupère %1. Si jamais il y avait eu un autre élément qui avait été devant, admettons que j'aurais voulu récupérer le texte du bouton, ctrl texte btn close, et bien j'aurais fait du coup ici le %1 et mon image du coup passe en %2. On va laisser comme ça, histoire que vous voyez que tout fonctionne. Tac. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. On va du coup regarder le résultat. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on a modifié le texte info par le nom de mon profil et on modifie du coup notre bouton. Donc, ce que l'on peut faire pour le bouton, pour que ça rende quelque chose assez chouette avec juste l'image et le texte sans que l'on ait aucun background, aucun rectangle autour. Ce que l'on peut faire, c'est qu'ici on va faire color background toujours avec du coup le carré qui le cède comme c'est un tableau que nous traitons. Hop, et ici tout simplement, eh bien, on va renseigner 0,0,0 pour ça le RGB. Donc rouge, rouge, vert et bleu. Et ici, son alpha, son opacité que nous mettons aussi à 0. Seulement, il y a différentes couches de background qui sont gérées pour les menus, de façon à pouvoir justement obtenir cette coloration quand on passe le curseur, quand on clique, tout ça, c'est cette couleur qui change et tout ça. Et donc on va annuler aussi ces différents backgrounds. Il y en a deux autres principaux à les annuler en fait, qui est tout simplement background 2 et le background focused, qui est celui que porte très bien son nom, je pense. Voilà. Donc là, on rend notre contrôle invisible au niveau de ces backgrounds et on n'aura du coup que notre image et son texte qui vont s'afficher. Alors, ce que nous allons faire par contre, c'est que je viens de penser, est-ce que notre align sur notre bouton qui est center? Comme j'ai mis l'image à gauche, on va mettre notre texte à droite. Right. Voilà. Hop. Donc là, je fais un retour, puisque du coup, j'ai changé des propriétés dans du HPP. Il nous faut tout reloader. Hop, et là, on peut voir du coup notre petit dessin. Donc, voilà.
Tac, contre un int, un write. Donc il est peut-être un peu gros, c'est pour ça qu'on ne voit pas tout. Pareil pour ton là, on va faire ça. Ah mais non! Erreur de ma part. Regardez, je n'ai pas fermé ma balise. Donc ça, c'est des choses qui visuelles. Sublime Text nous les notifie pas. Mais voilà, il nous faut fermer notre balise, du coup, tout simplement de cette manière. Donc là, il n'y a que du SQF de modifier. Voilà. Donc on a bien notre porte à gauche. Alors, et du coup, on a pu voir que on a bien notre background qui est parti sur le bouton. Bravo. Maintenant, on a bien notre nom qui était loadé. Maintenant, on va s'attaquer au fait que quand on sélectionne quelque chose dans la liste, on ait cette autre liste qui vient de s'afficher. Pour ça, on va devoir ajouter une propriété à notre bouton. À notre bouton, pardon, à notre RSC combo. Et qui va être on LB tell changed. Voilà, égal. Et donc, ici, nous allons du coup créer un fichier qui va s'occuper de récupérer les infos et réafficher ce que nous souhaitons. Donc pour ça, contrôle N, hop. On LB salle changer de secteur, parfait. Je récupère ceci. Hop, j'enregistre, parfait. Ici, je mets tête. Et donc, je pars dans mon description et je rajoute une ligne. Et voilà. Donc toujours le nom du fichier sans le FN underscore. Maintenant, que nous récupère du coup notre combo quand on sélectionne une liste? Pour ça, on va vérifier tout simplement avec une chose toute simple. Donc moi, je connais le résultat forcément, mais je veux... Hop. Int str this. Voilà. Maintenant, on prend... j'ai pas besoin, on va faire. Je triche un petit peu au niveau de mes appels. Voilà, tac. On va call notre fichier et on va faire this. Voilà. Maintenant, on appelle notre fichier ici. Donc, on vient de créer notre fichier, on l'a déclaré et on vient l'exécuter avec un call, du coup. Dans notre propriété on cell changed. On LB cell changed, pardon. Du coup, on va reload tout ça et regarder ce que nous affiche notre combo. Quand on sélectionne un item dans la liste. Voilà. Donc on peut voir qu'il me dit contrôle 2200 et 0. Allez voir sur l'autre élément. Là, 200 et 1. Pense que certains ont compris. C'est l'index du coup que nous avons dans notre liste. À partir de ces deux infos-là, on va, enfin surtout la deuxième, on va pouvoir récupérer les informations que l'on a dissimuler, si je peux employer le terme. Hop. On va récupérer les infos que l'on a cachées, du coup, enfin, que l'on a déclarées dans notre combo. Comment on va faire ça? Donc déjà, on peut voir que on récupère un tableau, hein, on a des crochets, et à l'intérieur, on a deux éléments, puisqu'on a une virgule. On a un premier élément qui nous signale le contrôle,
un deuxième élément qui nous signale l'index. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va récupérer du coup, avec un params, ces deux arguments. Donc on va faire ctrl, et on récupère notre index. Je vais l'appeler index pour le tuto, moi je l'appelle toujours idx, mais on va l'appeler index là pour le tuto. Voilà. On pense à faire du disable sérialisation. Et avec ceci, déjà, on va pouvoir demander quelle est la data, par exemple, puisqu'on a utilisé une commande qui s'appelle lb_set_data. Donc maintenant, vu qu'on l'a set, on a déclaré, on lui a initié quelque chose, hein, on lui a donné une valeur. Maintenant, on va récupérer cette valeur. On va créer une variable qui va s'appeler du coup data, qui va être égal, je vais remettre un écran, voilà, qui va être data, et donc qui va être contrôle, qui je le rappelle est notre combo, je vais l'appeler combo hein, pour que hop, combo, et donc on va faire lb data index. Donc dans certains cas, il est utile de pouvoir vérifier que l'index ne soit pas à moins 1, de façon à être sûr qu'un élément est sélectionné dans la liste. Or là, c'est pas vraiment possible au final, puisque on va vérifier si jamais je ne sélectionne rien. Il ne s'exécute pas, voilà. C'est bien ça. Si je ne sélectionne rien, voilà. Donc via un lb_set_changed, c'est bien ce que je... Voilà. Il n'est pas utile de devoir vérifier que l'index, qu'un élément a été sélectionné, puisqu'il a obligatoirement été sélectionné, sinon lb_set_changed n'est pas interprété. Donc, ici, dans data, on récupère ce que nous avons mis en information. Donc on va faire un int et on va regarder str data. Donc je mets toujours str devant, hein, ça me permet d'éviter des erreurs selon ce que l'on peut ressortir. Comme ça, si on passe un tableau ou quoi que ce soit, il me met ça dans une chaîne de caractères. Donc là, en l'occurrence, comme je sais que c'est déjà une chaîne de caractères, il va me mettre, on va les voir visibles du coup, puisqu'il il met une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères. Donc on va voir des guillemets dans notre résultat. Voilà. Et donc là, on peut voir que quand on a sélectionné secteur 1 sans underscore, il me ressort bien secteur 1 avec underscore, qui est ni plus ni moins que le nom de notre classe. Ah, c'est arrivé. Voilà de me troller. Hop. Qui est ni plus ni moins que le nom de notre classe ici. Donc, à partir de là, je pense que vous avez compris comment ça va se passer. On va aller récupérer les différentes propriétés de notre classe. Donc pour ça, on peut récupérer le displayName si ça nous fait envie, hein, histoire de tout récupérer. DisplayName est égal à get text mission file cfg sector cfg sector, on va y arriver. Je suis en train de penser que pour histoire de ne pas avoir des lignes trop longues, ce que l'on peut faire, c'est créer juste une petite variable. On va appeler path. Et qui va être égal. Voilà. Tiens, déjà quelque chose de petit peu plus court. Et maintenant,
On récupère du coup le name. Voilà. On va récupérer condition, qui est toujours une chaîne de caractères du coup. Condition. Voilà. Je viens changer ma variable ici. Et donc derrière, on va récupérer les infos. Info est égal. Et cette fois-ci, nous traitons un tableau. Donc on ne fait plus du coup du getText, mais bel et bien un getArray. Notre path. Hop. Et on récupère info. Sans du coup indiquer cette fois-ci notre tableau vide derrière. Récupère vraiment uniquement juste le nom, les traits de notre propriété. Donc à partir de là, on sait que info est un tableau et qu'il renferme nos différentes infos qui nous intéressent justement et que nous allons devoir remettre dans notre liste. Donc pour remettre des éléments dans notre liste, on va utiliser un petit peu ce que nous avons fait ici. Sauf que du coup, ici, on n'appelle plus notre fichier via le menu en lui-même, mais via le bouton. Vraiment, on n'appelle pas par le menu général, on appelle vraiment par le bouton en lui-même. Donc, ce qui fait que là, on ne va pas récupérer le display directement, comme on le fait ici. On a pu voir, on récupère notre combo et notre index. Donc, pour récupérer notre display, puisque nous allons devoir déclarer notre list box ici, on va devoir forcément la déclarer. Et donc pour récupérer notre display, on va faire une variable qui va être display et qui va être égal à CTRL parent de combo. Ce qui fait que là, ça parle de encore une fois de lui-même, le parent de combo et du coup bel et bien notre display qui l'enferme du coup de auquel il appartient. Donc on peut voir qu'effectivement que combo est bel et bien que notre combo ici est bel et bien un enfant du coup de notre dialogue qui est là. Ce sont des classes, des sous-classes, et on peut voir que le parent, du coup, hein, que la classe parent, qui est tout en haut, c'est celle-ci, a son identifiant, et bien celui-ci. Et donc là, c'est ce que l'on fait quand on vient chercher le classe parent, le contrôle parent, pardon, on vient chercher notre display, du coup. Maintenant que l'on a récupéré notre display, notre variable listbox va être viable, puisque notre display est bel et bien déclaré, et que l'IDC de notre box n'a toujours pas changé. Et il ne changera pas. Maintenant que l'on a récupéré tout ça, on va devoir traiter les infos que l'on a dans notre tableau. Ici. Donc toujours la même chose. On va pouvoir se servir d'un params. Donc là, on va indiquer notre tableau. Et derrière, on va faire params. Et du coup, indiquer les différentes variables que nous voulons récupérer par rapport aux éléments de notre tableau. Donc on a pu voir, en premier, on avait notre marqueur. Donc on va faire underscore marqueur. En deuxième, nous avions une description. Et qu'en troisième, on avait une sous-description. Voilà. Donc, on va récupérer la description pour pouvoir afficher. Alors, non, pardon.
On a info. Et info, non, non, info, je fais des bêtises, pardon. Pardon, pardon, pardon. Info est un tableau qui nous renferme nos autres tableaux, pardon. Donc, on va traiter ça par un foreach pour passer, du coup, je le rappelle, les différents éléments d'un tableau les uns après les autres. Donc, en l'occurrence, là, on va passer les éléments que tableau renferme, que info renferme, pardon, je vais y arriver, je commence à m'emmêler les pinceaux. Donc, info nous renferme ces deux tableaux-là, et donc ces deux tableaux-là sont bel et bien ce param-là, du coup. Donc là, comment on passe par foreach? On va récupérer avec la variable magique, underscore x. C'est son nom, hein, c'est une variable magique, hein, c'est pas moi qui lui donne ce nom, c'est comme ça, c'est une variable magique. Hop. Et donc underscore x, cette variable magique, est égale à nos différents éléments passés dans notre tableau. Dans ce passé, oui, enfin passé par notre tableau, en fait. Donc du coup, underscore x à un moment va être égal à secteur 1, va être après égal à enfin va être égal à au tableau numéro 1, va être égal après au tableau numéro 2. Et donc, comme c'est égal au à un tableau, ici on passe dans le params et on récupère les différents éléments dont nous avons besoin. On va faire en sorte maintenant de faire listbox LBAD, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on peut mettre éventuellement directement description. On n'a pas besoin spécialement de passer par un format, hein. Même tout à l'heure, on n'était pas obligé, mais c'est plus propre quand il s'agit de vraiment encapsuler quelque chose. Et ici, du coup, toujours pareil, on va maintenant mettre une data. Listbox LB7 data. Donc, on vérifie l'emplacement qu'il a, la taille de notre box. Listbox est moins 1 du coup. Et là, on va y passer notre marqueur uniquement, puisque on remarque, ouais, non, on va y passer notre tableau. Donc on va faire str, puisque lb7data doit obligatoirement passer une chaîne de caractères. Donc là, si j'envoie underscore x, il ne sera pas content, puisque c'est un tableau. C'est un type tableau. Et donc, pour rendre ce type tableau en chaîne de caractères, je vais le mettre dans une chaîne, justement, en faisant un str devant notre underscore x. Et là, underscore x, du coup, devient non plus un tableau avec ses différents éléments à l'intérieur de cette manière, mais devient bel et bien un tableau dans une chaîne de caractères. Et après, du coup, on va se débarrasser de cette chaîne de caractères pour récupérer nos infos. Hop. Donc on a pu voir tout à l'heure sur le début de la vidéo que quand je cliquais sur mes différents éléments de la combo, tout s'ajoutait. Que je cliquais sur un premier secteur, qu'on voyait ce qui lui était propre, et que quand je cliquais sur un deuxième secteur, la liste ne s'effaçait pas et nous affichait à la suite, du coup, les éléments. Chose que l'on ne veut pas, puisque du coup, on ne veut que les informations propres à notre secteur. Donc il faut tout simplement faire en sorte avant que nous affichions quoi que ce soit dans cette liste, nous faisons lbclear. Et lbclear de quoi? De notre listbox, du coup. Qui a pour effet de totalement nettoyer notre listbox. Et après, on peut venir réinscrire à l'intérieur. Donc on va aller maintenant vérifier le bon fonctionnement de tout ça. On vérifie que on a bien mis notre on lb. Ah, ça c'est bon. Donc on va vérifier tout ça maintenant. On relance totalement. Alors, allons vérifier ce qui se passe. Tac.
Alors, on va vérifier que je récupère correctement mon display, par exemple. Vérifier que mes propriétés sont récupérées correctement. Non, int str display, voilà. Hop. Relancer. Voilà, donc on peut voir que du coup je n'atteins pas mon dialogue. Donc pourquoi? Parce que j'ai oublié tout simplement une chose bête, c'est que je récupère un data mais je ne l'utilise pas. Ici, on peut voir que du coup j'ai bel et bien récupéré mon secteur mais qu'à aucun moment je ne suis venu déclarer quel secteur on interroge. Donc effectivement, je lui demande bien d'aller chercher display name, condition, info. Je lui donne bien effectivement le chemin de mon secteur, mais à aucun moment je ne lui ai indiqué de quel secteur il s'agit. Et je rappelle que le secteur du coup est stocké dans data. Donc pour ça, tout simplement, ici, on prolonge notre chemin. Hop, et on fait la même chose ici. Voilà. Modification faite uniquement en SQF, nous pouvons relancer de cette manière-là. Et maintenant, on obtient bel et bien chargement de nos listes. Donc maintenant, il ne se passe strictement rien quand on clique dessus, puisque nous allons faire, vous vous le doutez, la même opération qu'avec notre combo. Il faut savoir que pour le combo box et la liste box, les contrôles, les commandes et les fonctions utilisées sont exactement les mêmes. Mais exactement les mêmes, elles sont identiques. Ce qui fonctionne avec combo fonctionne avec liste, il n'y a pas d'exception. Enfin, à ma connaissance en tout cas. Il peut peut-être y en avoir une ou deux, mais à ma connaissance, je n'ai jamais eu de soucis, de cas où il pouvait y avoir une commande existant pour l'un et pas pour l'autre. Et ce qui fonctionne pour l'un fonctionne pour l'autre. Du coup, on va les traiter maintenant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que de faire plein de fichiers, comme il ne s'agit pas de faire grand-chose dans les fichiers, hein, donc après, c'est à vous de voir comment vous pouvez le faire. Moi, c'est vrai que là, comme on va faire la même opération et sur le même dossier, on va dire, sur la même fonctionnalité, enfin le même pack, et que clairement c'est pas des grosses fonctionnalités, là on est quand même à 26 lignes comportant l'entête. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va, je voulais l'appeler combo tout à l'heure, mais on va l'appeler contrôle, hein, on va le renommer, et comme ça on va pouvoir jouer avec un seul fichier. Oups. On va pouvoir jouer avec un seul fichier pour récupérer à la fois notre combo et à la fois notre liste box. Donc voilà, c'était réel, index, hop. Et donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher notre IDC. Donc ici, on va dire non plus CTRL parent, mais bel et bien CTRL IDC. Voir qu'il y a un CTRL IDD qui n'a pas du tout la même fonctionnalité que le contrôle parent. Attention, CTRL IDD vous ressortira justement l'ID de l'IDD et en aucun cas le display en lui-même. Et pour récupérer le CTRL IDD, il faut passer le display et non pas un contrôle. Voilà, juste petit aparté, comme on l'a vu qui était juste à côté, et pas de confusion, et que vous ne cherchiez pas à appeler un display avec un CTRL IDD. Donc, maintenant on a récupéré notre IDC, on modifie notre variable, bien entendu, que nous appelons tout simplement IDC, et ici, nous allons faire un switch avec, j'aime bien le mettre en chaîne de caractères, encore une fois, si nous sommes sur des longs IDC, c'est préférable. IDC, voilà, tac. Et donc là, on va être entre le 2100 et le 1500, du coup, puisque c'est notre liste box qui nous intéresse
avec ce fichier aussi. Voilà. Et ici, on n'a pas besoin de défaut, puisque on sait tout à fait ce que l'on fait, ce que l'on passe. Et maintenant, on va mettre ceci. Donc, pour le combo. Voilà. Donc ici, on peut l'indiquer. On met un commentaire. Combo box, voilà. Et en bas, on va aller commenter liste box. Voilà. Ici, du coup, le travail, encore une fois, va être le même. Donc, ce que l'on peut faire, c'est ça. Différentes choses là, on peut les récupérer. Voilà, hop, ça sert à rien de le répéter. On va le mettre en dehors de notre switch. Hop, tac. Et donc, je garde bien le listbox à l'intérieur, puisque quand on passe le combo, il ne connaît pas notre listbox. Et ça, je ne le mettrai pas du coup en haut, puisque ça peut porter conflit. Enfin, ça ne sert à rien de le déclarer en haut, surtout. Hop. Et là, ici, par contre, on a tout ça qui reste commun à nos deux contrôles. Donc, dans l'un, on va appeler ce dont on a besoin, et dans l'autre, on appellera autre chose. Listbox. Et donc, dans la listbox, on va récupérer, par contre, notre texte. Il va être 1100, donc texte info, texte info, le data que l'on envoie du coup, comme on est dans le même fichier, on peut voir l'opération que nous faisons sur notre liste et voir ce que nous allons récupérer avec notre autre liste. Ici, on peut voir que l'on envoie du coup str underscore x. Et donc, du coup, notre data, quand on va passer sur listbox, sera ce underscore x. Comme on le met dans une chaîne de caractères, data, pour le listbox, ici, devra être compilé. Donc, on va faire data est égal à all compile data. Ce qui a pour effet maintenant de retirer la chaîne de caractères que nous lui avons mis pour pouvoir voyager tranquillement à travers le LB7 data. Maintenant que nous avons récupéré le data comme étant une chaîne de caractères, nous pouvons compiler pour récupérer de nouveau notre tableau qui va contenir nos informations ici. Donc on fait data params et là on obtient bien marqueur, description, subdescription. Maintenant on récupère texte info. Hop, ctrl, cette structure de texte, parse texte, hop, je vais vous l'écrire totalement, parce que c'est vrai que si je me sers toujours de mes implémentations perso, ça va pas beaucoup aider non plus. Hop. Donc le parse texte sert quand même, que je vous l'explique, à pouvoir traiter du HTML. Un int, par exemple, si on fait int coucou, et qu'on fait br, ça va. Hop. Nous affichera notre br de cette manière-là. Il ne fera pas un retour à la ligne. Alors que si on passe du coup int parseText, maintenant il passe en HTML. Et on reconnaît bien le br et nous fait bien notre tour à la ligne. Du coup, une coloration est possible avec tout ce qui est le color, machin, tout ça. Ça, je vais pas vous le refaire. Là, juste si du coup, on n'est pas en HTML, il s'agit d'utiliser /n pour se retourner à la ligne. Voilà, petite parenthèse faite sur le parse texte.
Donc le format, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, il nous sert à pouvoir récupérer des informations après sa chaîne de caractères. Là, en l'occurrence, on va récupérer description. Donc on va faire ouverture de la balise et color. On va faire un vert, hein, histoire de bien dissocier. Tac. Hop, voilà. Aligne est égal à center. Entre ça, voilà. Là, on vient terminer notre balise. Et donc, on va dire que en premier, ce sera notre description. Voilà. Donc, on va mettre pour 120. Maintenant, on va créer un retour à la ligne et créer notre deuxième appel. Sachant que, un peu comme les héritages, comme l'héritage des classes, quand vous avez déclaré des propriétés en HTML, la couleur, la ligne, la taille, les choses comme ça, seules les propriétés que vous voudrez modifier seront à modifier. Sinon, si vous voulez que tout reste commun, que ce soit encore vert, encore centré et encore à la même taille, vous avez juste un BR à faire et éventuellement vous n'avez même pas de nouvelle instance à faire en ouvrant une nouvelle balise. Mais par contre, si vous voulez conserver le centrage, la couleur, mais une autre taille ou je ne sais quoi, il faudra refaire du coup une nouvelle balise et pouvoir indiquer ce que nous changeons. Donc là, admettons, on va faire une taille à 1.2, enfin même 1.1 sera très bien pour l'exemple. Hop. Et on veut que ça reste centré, donc on ne va pas rappeler center, mais on veut changer la couleur. On va faire du coup color est égal. Ah, je vais y arriver. Est égal à dièse AB, AB, AB. Voilà, le petit gris. Et la taille size est égal à 0.85. Voilà, et du coup, il sera du coup automatiquement centré comme on demande à la ligne supérieure de la ligne d'avant de centrer. Il hérite automatiquement de cette propriété. Donc là, on y met pour 102 et on ferme notre balise du coup. Voilà, et dans notre après notre chaîne de caractères, on vient y mettre notre subdescription. Voilà. Maintenant, alors, moi j'utilise toujours ma petite fonction qui m'évite de le faire, mais on va vous le mettre ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, attendez. Voilà, hop, on va récupérer ça, je vais vous l'expliquer. Hop, bon, je le récupère là parce que du coup, ça, j'utilise toujours une fonction du coup que j'ai faite pour le faire et qui m'évite d'à toujours avoir à le retaper. Hop. Donc, qu'est-ce que l'on va faire là? C'est que on va se servir justement du fait que on a englobé notre structuré de texte dans, rappelez-vous, un contrôle groupe. Pour obtenir un scroll si jamais le texte s'avère être assez grand, ce qui fait que notre texte ne sort à aucun moment de notre menu, peu importe la longueur qu'il fera, il y aura un scroll qui sera mis sur le côté et non pas le texte qui descend jusqu'en bas. Pour faire en sorte justement de réguler correctement la taille, la hauteur de notre texte, on récupère du coup la hauteur justement contrôle texte 8 de notre texte une fois qu'il a été écrit, une fois qu'il a tout stocké. Vérifie du coup sa taille. Ici,
On récupère voilà la position. J'étais en train de chercher si je l'avais récupéré ou pas dans l'autre fichier. Hop. On récupère la position du contrôle que je... Info. Voilà. Donc on récupère la position et la position comprend du coup l'axe X donc de gauche à droite, l'axe Y de haut en bas et le W et le H qui sont du coup la largeur et la hauteur de notre contrôle. Donc dans cette première variable on va stocker du coup ces infos de base. On va venir maintenant récupérer sa hauteur avec le texte. On récupère les différentes propriétés sauf le H puisque je récupère ici son nouvel axe. Et on redéfinit du coup sa nouvelle position. On fait un contrôle set position, du coup vraiment de notre texte là, avec les axes que l'on a récupérés de base, hein, de par défaut. Donc le W, le X, le Y et le W. Et on vient inclure du coup le H que l'on a récupéré ici, qui lui est calculé du coup avec le texte à l'intérieur. Et donc cet axe H, on le remplace par rapport à celui-ci. Donc on pourrait faire autre chose, hein. C'est là je l'ai fait comme ça pour bien vous montrer l'exemple, mais on peut aussi passer par un set, admettons, comme on récupère un tableau avec DA3FPOS. DA3FPOS et on peut faire set. Donc là, quel élément de tableau on veut modifier? Ça va être 0, 1, 2, 3. Donc le troisième élément. Hop. Et on veut le modifier par quoi? Par notre axe H, du coup. Voilà. Et donc là, ce qui fait que ceci, on s'en passe, et que là, de cette ligne, on passe à appeler notre variable que l'on a modifiée. Voilà. Et après, on fait un commit qui ça est le temps d'action, de l'animation, en gros, de... l'animation qu'aura le comment dire là ce sera instantanément en fait le on verra si jamais le texte est très grand et que le scroll sur le côté doit se faire là on le verra instantanément réduit alors que si on met un temps et que le texte est très grand on verra petit à petit le scroll sur la droite se réduire puisque ce sera le temps qu'on aura indiqué si on dit qu'en 2 secondes. Si on met un commit 2, hop, et que un commit 2, j'ai dit, et que notre texte est très long, et ben il mettra 2 secondes à se stocker correctement dans notre contrôle group. Or, ça, on ne veut pas le voir. C'est une opération qu'on ne souhaite absolument pas voir. C'est pas propre. Donc, du coup, on vient directement. Parce que le texte pourrait sortir de notre contrôle group. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le texte pourrait être en dehors de notre contrôle group et que ça ne se ferait pas propre. Donc du coup, instantanément, on vient dire que c'est à zéro. Comme ça, on ne voit pas du tout l'opération qui se fait de caler tous nos petits textes comme il faut. Hop. Et donc là, on va du coup aller vérifier où on est. On va surtout, comme on a une propriété commune, on a notre background. Voilà, ça, maintenant qu'on a appelé exactement le même fichier, on a juste à dupliquer cette ligne et à le mettre sur notre liste. On va reload totalement. Et donc là, on va aller cliquer chez Tonton et on peut voir qu'on récupère du coup chez Tonton. Il est super tonton, toujours il rigole. Voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant ça fonctionne. On peut voir que quand on va changer, hop, on a bien toujours les différentes infos que l'on a pu mettre dans notre contrôle, dans notre config. Je vais y arriver.
Donc on a nos différentes infos, hein, donc toujours avec un seul config, on a récupéré cette liste-là, après on vient récupérer nos différentes infos. Et maintenant, ce que l'on va vouloir, c'est vouloir que quand on valide, on arrive bah, chez la cousine, chez le tonton, et que quand on spawn, on ait nos petites informations. Justement. Donc pour ça, on va aller faire du coup un script qui lui va être notre script de validation. Hop. BTN valide. Ouais, BTN valide, ça va très bien. Tac. On y met son entête. On vient récupérer le nom de fichier sans le underscore. On va le déclarer dans notre fonction. Voilà. On va faire la même opération quasiment. Enfin, quasiment, on fait la même opération. On va récupérer du coup le display via notre contrôle. Et on récupère bien notre disable sérialisation. Donc, comme c'est un bouton, le params, lui, n'a pas d'index. Le bouton, lui, n'a pas d'index. On ne fait que récupérer le contrôle qui va nous permettre après là de récupérer notre display. Pour pouvoir maintenant récupérer notre liste. cinq, voilà. On récupère le data, l'index de notre liste box. Index est égal à LB curcel listbox. Là, il va être utile de vérifier que notre index n'est pas à moins 1, que un élément a bel et bien été sélectionné dans notre liste. Donc, on va faire une sortie en disant if index is equal to, donc s'il est égal à moins 1, on pourrait faire aussi ceci, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, c'est par habitude aussi que index is equal to moins 1, on y met un message, int, merci, mervi, merci de faire un choix dans la liste. Voilà. Si jamais il a bien fait son choix, on va pouvoir du coup continuer notre script. On va récupérer notre data en haut d'abord, hein. Donc pour récupérer notre data, nous allons créer une variable qui va être du coup data. Hop, on récupère notre listbox. Hop. LBData. LB data et avec l'index. Mais ça, on va le faire du coup en dessous. C'est pour ça que je faisais ma vérification justement. Hop. C'est que ça, on le du coup, une fois vérifié que l'index n'est pas vide, on peut récupérer notre data. Voilà. Et donc, dans notre data, on vient y mettre. Et non, on ne récupère pas le data de notre list box, mais le data de notre combo, pardon. 2100. Hop. On va renommer list box. Contrôle H, du coup. Hop. Combo box. All, voilà.
Tac, 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 tac. Ah mais si, oh là là, je fais des bêtises, moi. C'est vraiment des bêtises. C'est bel et bien notre box qu'on récupère. Qu'est-ce que... Et donc, oui, pardon, excusez-moi. On récupère bien notre liste box. Hop, et ce qu'on vient stocker dans notre liste box, on peut vérifier. On vient stocker du coup notre tableau que l'on passe en chaîne de caractères. Et on va faire du coup la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire devoir compiler notre data. Donc, data va être égal à call compile data. Là, on va pouvoir les récupérer ici nos différents éléments. Hop. Data. Et du coup, bah, tout simplement, voilà, ça va être, c'est la fin. Là, on n'a plus qu'à valider l'action et dire que notre player va aller à la position. GetMarkerPose. GetMarkerPose. On peut mettre MarkerPose directement aussi, cela fonctionne. Et récupérer marqueur. Voilà. Ce que l'on peut faire, c'est que de façon à ne pas spécialement voir la téléportation et obtenir quelque chose un petit peu plus sympathique. C'est faire un... on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre, ouais, 0, cut text. Hop. Voyage en cours. Tac. On va dire du coup... Like, et en 0. Ici, on met un tout petit temps de secondes, genre, hein, on s'en fiche, on va faire un petit random, tiens, on va faire cible 2 plus random 2, voilà, tac, donc il faut penser que là, si on utilise un temps, on ne peut pas call notre script, mais il faut donc le spawn. Bon, on ne l'a pas encore appelé, donc c'est très bien. On pensera du coup à spawn notre script et non pas à le call, comme on utilise du slip à l'intérieur. Le call du coup est sur une seule et même frame, enfin une seule et même ligne, on va dire qu'un call est une bulle dans laquelle on peut rentrer et ressortir, ce qui fait que si on y met un temps à l'intérieur, ça casse la timeline du jeu entre guillemets, enfin ça c'est pas top. Alors que si on y met un spawn, on n'obtient pas de réponse de notre spawn, mais par contre on crée une instance à part, une bulle à part, qui ne donnera pas de réponse et dont là où dont est mis l'appel, on n'attend pas de réponse du coup, ça fait son travail de son côté. Et donc on peut sans problème poser un temps de pause puisque ça ne va pas interférer sur le reste du bon fonctionnement du jeu. Donc on met un petit temps, on téléporte notre joueur et on met un petit message, arrivé à destination. 2 c'est déjà pas mal, hein. Arrivé à destination. Blackout, black in, hop, et on va mettre un temps de 5 secondes histoire d'avoir une petite ouverture. Si c'est pas dans ce sens-là, ce sera inverser le black in et le black out. Et on peut afficher un petit message
en mettant un petit temps de pause de façon à ce temps que le joueur ait une certaine clarté sous les yeux déjà. On met un petit temps de 3 secondes. Et on met int format. Vous êtes tu es arrivé tu es arrivé pour 101 tac petit rappel. Pour 102. Tac. Là, on va récupérer description. Hop. Et ici, subdescription. Voilà. On va maintenant exécuter notre bouton. Donc, on récupère son titre. Donc non, on a dit qu'on allait le spawn du coup, voilà. Et par contre, ça ne change rien. On peut envoyer des arguments, bien qu'il ne retourne rien. On peut quand même envoyer des arguments. Donc on fait bien un this spawn de façon à récupérer comme envoyer comme argument notre bouton, puisque this du coup étant le contrôle qui est sollicité. Est égal. Voilà. On referme tout ça. Hop. Là, chez mémé. Voilà. On peut voir, chez mémé, super 1, donne des bonbons. On fait valider. Hop, voyage en cours. Arrivé à destination. On peut voir que le dialogue ne s'est pas fermé. Donc ce qu'on va faire. C'est que ici, en dessous de cette vérification, si jamais l'index est correct et qu'il a bien fait son choix dans la liste, hop, passer ici. Hop, on peut faire directement un close dialogue puisque du coup on a récupéré tout ce qu'il nous fallait par rapport à notre menu. Sachant que ne faites pas l'erreur de fermer un dialogue, admettons ici, enfin ici, admettons, puisque du coup il ne récupérera pas vos variables. C'est si vous fermez un dialogue, que le dialogue est fermé, que vous lui demandez de récupérer des variables, des informations par rapport à ce dialogue. On ne pourra pas les récupérer étant donné que votre dialogue sera fermé. Faites très attention à ça, toujours fermez votre dialogue au bon moment. Et du coup, voilà, une fois que votre dialogue, une fois que vous avez stocké vos informations dans des variables, il n'est plus utile du coup de garder le dialogue ouvert. C'est une fois que la sélection a été faite et que tout est stocké dans des variables, vous pouvez tout simplement fermer votre dialogue si l'utilité en est. Là, en l'occurrence, il s'agit de pouvoir faire un petit voyage rapide. C'est pas terrible de conserver le menu sous les yeux. Donc, ce que l'on fait, hop, ici, on va mettre un petit temps de 1 seconde histoire d'avoir une petite fondue vite fait. Et on recommence du coup. Relancer. Do. 1. Chez mémé. Valider. Voilà. Voyage en cours. Arrivé à destination. Je suis arrivé chez mémé, petit rappel, elle est gentille, elle donne des bonbons. Voilà. Vous savez maintenant réaliser des petits menus avec des petites listes, récupérer les informations et vous en servir. Vous avais dit qu'on allait aussi checker comment pouvoir remplir des listes avec notre environnement ou les différents marqueurs, admettons. Donc on va regarder ça vite fait avant de finir, du coup.
Donc voilà, le format, comme on peut le voir, est quand même beaucoup plus large, hein. Je ne sais pas combien de vidéos je suis, étant donné que j'ai fait des coupures dans mes recs. Mais on peut voir que du coup, c'est quand même beaucoup plus large. Donc, à vous de me dire si vous préférez ce genre de format où vraiment on enchaîne tout, ou est-ce que je vous découpe vraiment, je vous fais une vidéo, les listes, c'est ça, et qu'il y a 5-10 minutes de vidéo et que on passe à autre chose. Et ou est-ce que je vous montre des trucs un petit peu concrets, qu'on passe du temps, que je vous explique, que je vous montre vraiment un petit peu en longueur comme ça. C'est essayer de faire un petit peu les deux aussi, mais bon, ce serait un petit peu redondant si je faisais un petit peu les deux, je pense. Et forcément, il y aurait du déjà vu dans des vidéos courtes ou dans des vidéos longues, donc faire les deux, c'est pas forcément le mieux. Après, on peut essayer de faire des choses, on fait des courtes vidéos et une vidéo longue qui après utilise un petit peu tout ce qu'on a pu voir sur les différentes vidéos courtes précédentes. Mais c'est pareil, ça demande à ce que tout soit suivi par les gens et tout. Donc c'est voilà, c'est on va pas se le cacher, je suis pas super actif non plus de ouf et j'ai pas 500 000 abonnés sur YouTube, donc c'est pas garanti que toute personne voyant les vidéos ait forcément vu les précédentes. Donc ce qu'on va faire, on va juste récupérer nos marqueurs par exemple hein. Hein. Donc on va aller sur le on load secteur, voilà, et on va aller load dans notre list box, hein, puisque là ça va être juste pour l'exemple du coup. Et donc on va faire un for each et on n'a pas vu les conditions. On n'a pas vu les conditions. Je vais vous montrer aussi les conditions parce qu'on ne les a pas vues. List box. LB, 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 add. Et marqueur texte underscore x. Sauf qu'on va faire un truc, c'est que on va faire ceci. XT est égal à voilà if txt is equal to hop, pas de exit, juste tu me réponds en faux. Et donc si jamais txt est vide, on va faire que txt sera égal à format. Et on va faire un forEach index qui nous récupère du coup l'index des éléments passés par le forEach. Hein, donc le premier élément, le deuxième élément, enfin, élément 0, élément 1, élément 2. Là, on va faire forEach plus 1 de façon à ne pas avoir de marqueur 0, mais un marqueur 1 justement. Hop. Et on va faire marqueur.1. Voilà. Tac. Ici, on met du coup txt. TXT, hop, listbox LB set data, LB size, listbox, ah, listbox, moins 1. C'est pas obligatoire de mettre les parenthèses, mais je préfère. Pareil, c'est une habitude à moi. Hop, et là, on envoie underscore x, comme c'est du coup des marqueurs que nous l'avons cherché. Et donc là, bah, tout simplement, hein, après, on envoie ce qu'on veut. On envoie ce qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, on veut chercher les marqueurs de la carte. Donc, c'est quoi déjà là? C'est all marker map ou mop map marker. Là. Hop. Donc là, on va faire un test. On a oublié un point virgule, voilà, ça. Toujours bonnes erreurs de noob. Hop, tuto liste, et puis on peut voir du coup nos différents marqueurs, quoi. On peut voir que E, secteur A et secteur B, du coup, avaient bel et bien, c'est normal que ce soit any, hein, puisque du coup, on n'a aucune info répertoriée par rapport au config, par rapport à ce qu'on envoie.
Et donc du coup, on peut voir du coup nos différents marqueurs, que on a bien nos 7 marqueurs. On a bien 2, 4, 1, 6, 1. Ah, et pourquoi il me compte un marqueur en plus? Pourquoi une compte. Ah bah si, c'est. Oui, si. Okay. Bah non. Bah non. On compte bien que 6 marqueurs, je suis pas fou. Ah, il doit y avoir un marqueur invisible. Il doit y avoir un marqueur invisible que j'ai posé sur la carte. Et pour récupérer, on va poser des objets. Ou des entités, tiens, on va poser d'autres entités. Curieux, tiens, mais il n'y a pas de marqueur invisible. Qu'est-ce qu'il a pu me récupérer comme autre marqueur? Ah ouais, non, il met bien 7 marqueurs, je sais pas où. 2, 4, 6. Il y en a peut-être un qui se succède quelque part. Ah, je dois en avoir un dans le noir. Tout à l'heure, j'ai dû poser un marqueur quelque part. Ah là, c'est ça. Voilà pourquoi ils m'ont trouvé 7. Chenapan. Hop, on va poser les unités. Hop. Et donc là, pour récupérer les unités, on peut créer une variable pour stocker du coup le nearest que l'on va faire. Et on va faire near unit est égal à nearest object autour de quoi du coup le premier argument dans un tableau va être autour de quelle position. Donc là, ça va être mon player tout simplement. On peut mettre une position sinon. On pourrait mettre getPosePlayer. Donc on envoie soit un objet, soit une position. Donc là, getPosePlayer ou player directement, ça fonctionne. Ici après, on crée un tableau avec ce que l'on souhaite chercher dans le nearest object. Du coup, si c'est des véhicules, enfin, ce que l'on souhaite, le type que l'on souhaite. Et là, en l'occurrence, on souhaite chercher des hommes, donc man. Voilà. Et on va taper un radius à combien de mètres est-ce qu'il est autour de nous, autour de la position indiquée ou de l'objet indiqué, à combien est-ce qu'il doit chercher autour. Là, on va mettre 20, ça sera très très bien, très très large par rapport à ce qu'on a. Voilà. Donc là, ça nous stocke les unités qui sont autour de nous dans un rayon de 20 mètres. Voilà. Maintenant, ça. On le retire. Hop. TXT est égal à name underscore x. Là. Là, ce sont des objets que nous faisons passer. Donc, comme ce sont des objets, il est bien de mettre str underscore x, du coup. Et sur cette liste, si nous voulons, admettons, ne pas avoir notre player, puisque là, on va récupérer les unités qu'il y a à 20 mètres autour de moi, mais enfin autour de notre joueur, mais également notre propre joueur. Du coup, donc ce n'est pas forcément terrible, hein, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Normal, hein, ce message d'erreur, étant donné qu'encore une fois, on ne cherche pas ce qu'il faut. Hein. Du coup, ce que on ne souhaite pas forcément récupérer notre propre entité quand on cherche des unités autour de nous. Et donc pour ça, tout simplement, on est sur un tableau, je le rappelle, comme on récupère un ensemble, on va dire que on veut enlever le player, notre player du tableau. Et pour ça, on va faire moins, et ça va pas être moins player, mais moins player dans un tableau. Pour vous montrer l'opération, on peut faire un truc du genre 1, 2, 3, 4. Est égal à tac. Et on va faire est égal à moins. Donc là, on pourrait dire moins 1, moins 2, moins 1. Et non, justement, on va faire moins et on va retirer 2. Tac. Et ici, on va faire int str
Hop, et donc, bah, vous en doutez, hein, nous n'aurons pas 1, 2, 3, 4, mais 1, 3, 4. Hop, voilà. Donc, si vous avez besoin de retirer un élément de façon simple, bête et méchante, c'est la meilleure façon de faire. Après, il y a d'autres méthodes que nous verrons peut-être dans d'autres vidéos, si encore une fois, vous êtes au rendez-vous. Donc là, on passe du coup nos différentes unités. J'ai retiré mon player. Est-ce que... Tac, non, je n'ai pas relancé. Relancer. Tac, et voilà, on ne récupère plus que nos différentes entités. Et donc c'est pareil si jamais... Enfin c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais si jamais nous voudrions, admettons, ne pas passer par le bouton valide, on pourrait directement, si l'on souhaitait, TP notre joueur. TP notre joueur quand on clique ici par exemple. Hein. Donc là on est sur notre liste box. On récupère marqueur. Et on pourrait tout simplement faire hop, player, set pause. Marqueur, pause, marqueur. Hop, et on ferme notre dialogue du coup. Hein. Voilà. Hop, et là on se rend du coup directement chez Tonton. Voilà, on se retrouve TLP directement. Une autre façon de faire, c'est vous qui voyez si vous voulez valider les étapes ou pas. En tout cas pour les vidéos, pour la vidéo, c'était bien que je vous montre comment on faisait avec un petit bouton de validation. Et voilà. Bon bah j'espère que vous aurez apprécié, que j'aurai gardé du monde jusqu'au bout. Si c'est le cas, t'as qu'à marquer Freestyler, et puis comme ça je le saurai. Et puis du coup, bah, pour répondre aux commentaires que j'ai eu sur l'autre vidéo, enfin un des commentaires, oui, je ferai si tu veux une vidéo pour des HUD. Il n'y a pas de souci, on est sur la même conception quasiment que des dialogues. Hein, donc rien de bien compliqué, excusez-moi, j'étais en train de boire. Qu'est-ce que nous avions eu comme autre commentaire, histoire que je vous réponde à tout le monde d'un coup. On va aller voir la vidéo, pas tuto. Mais pas tuto, ça tourne mal, machin, explication, tac. Donc, commentaire. Faire un tuto XL1, donc ça c'est je viens de te répondre du coup David, pas de problème, je verrai ça. Tu rappes mieux quand tu aimerais, bon ça je lui ai répondu, hop. Moi je suis pour avoir la suite de ce tuto à fond, bah voilà, tu viens de l'avoir, je pense, plus que tu as toute la suite d'un coup, tu vois. Hein, on était parti à la base pour faire peut-être plusieurs vidéos, bah là tu t'en tapes une grosse là. Donc j'espère avoir satisfait. Votre demande à ce niveau-là, pour votre recherche que vous aurez fait en tombant sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Nous verrons ce que nous attaquerons pour la prochaine fois. Il y a une série qui va arriver sur le SQF, vraiment, puisque là, du coup, on a quand même expliqué pas mal de petits trucs sur les dialogues et tout ça. Après, c'est de la pratique. Hein. Je ne vais pas pouvoir faire des tours de magie et vous montrer comment faire des téléphones et tout ça. Hein. Ce sera tout simplement à vous de faire de la pratique et d'explorer les différents contrôles, dialogues. Avoir montré quand même pas mal de petites choses, de petites subtilités et tout ça, donc à vous de bien prendre note de tout ça. Après, du coup, comme je dis, si vous avez par contre des suggestions de tutos, de choses en particulier, même si ça reste sur des dialogues, mais en particulier un truc que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas. Et sinon, comme je dis, ce sera porté beaucoup plus sur de la fonction et du SQF les prochaines vidéos, je pense que l'on fera en dehors, bien sûr, David, de cette menu, de cette vidéo HUD que nous ferons incessamment sous peu. Voilà, ben, merci à tous pour votre visionnage. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser des likes et tout ça, quoi. C'est ça qui motive à voir les suites des vidéos, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, puisque quand on voit 8 likes sans 3 vues, bah, je suis désolé, mais bon, c'est pas très motivant. Hein. Et petite pub au passage, vous me trouvez régulièrement sur Twitch, sur Arma, ou enfin sur Twitch, Arun31 sur Twitch. Et puis voilà, je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense après le montage. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bisous distinctement, hein, bien entendu, on sait jamais, peut-être que tu colles, peut-être que tu pues, quelque chose comme ça.
Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous, et bon dev, ciao ciao!